Malakat Swalou, votre aide s'est révélée précieuse, l'ami. Salutations. Je vous connais, vous. Vous êtes un de ces étrangers que Kurog a fait venir chez nous. Il paraît que vous avez accompli des trucs. Désolé, mais j'ai d'autres problèmes. Tant que mon épouse forgeronne est malheureuse, je ne peux me consacrer à rien d'autre. Si vous en avez le courage, parlez à Lasgal et faites ce qu'elle vous demande. On pourrait s'attendre à ce que les grands artisans... Cette odeur provient quand même pas de vous. L'inconsciente. Ah, les enfants. Le roi insistait pour prendre une fille du clan Morcul comme épouse forgeronne. Mais il a éconduit Ashaka, ma fille aînée. Cette tête de mule s'est mise en tête de lui prouver qu'il a eu tort de choisir sa sœur cadette. Malakat seul, c'est pourquoi Ashaka s'est enfui. Son orgueil blessé l'a certainement conduite à la descente de Morcul. C'est parce qu'elle est partie à la descente de Morcul qu'Ashaka n'est toujours pas mariée. Trouver la gloire dans les anciennes reliques, plutôt qu'aux côtés d'un roi. Je vous écoute. Une vieille légende du clan dit que l'endroit est plein de reliques. Tous les 2 ou 3 ans, il se trouve un nouveau groupe dit. Ashaka pense qu'elle est l'acier dans un monde plein de fer. Malgré toutes les fanfaronnades du roi, elle lui tient tête en permanence. Sa petite sœur préfère tenir sa forge sans faire d'histoire. Le choix est simple. Et puis, j'ai frappé sa mère. C'était il y a des années. Alga a dit que le plastron que j'ai construit pour son fils était acceptable. Critiquer mon travail avec un mot digne d'un boudoir de dague filante. Oh ! Pour rien arranger, la première dague d'Ashaka avait...
Qui êtes-vous? Peu importe. La main de Morcule est à moi. Du moins, quand je l'aurai trouvée. Elle... Pardon? Mais pourquoi? Pardon? Mais elle ne m'écoute jamais! Non, jamais! L'honneur du clan, j'ai dit. Et elle, elle me répond, « Tu trouveras bientôt un homme !» D'accord. Elle vous a envoyé m'aider? Très... La demeure ancestrale est perdue du clan Morcule. Les anciens poèmes disent qu'elle est enfouie dans la glace. Les vieux poèmes sur la fondation de Morkuldin mentionnent un trio de héros qui repoussèrent l'emprise de l'hiver et trouvèrent refuge en dessous. Comme s'ils avaient sauvé le clan d'un éboulement. Enfouis dans la glace, trois pierres marquent sa place. Les statues devraient indiquer l'entrée. Grondement. Le sentez-vous ? Le mur a bougé. Scellé mais caché à la vue de tous. Morkuldin, perdu dans la glace. Voilà la main de Morcule. Elle est dans une sorte de... Qu'est-ce donc, un présentoir? Elle y est bien coincée, nous ne pouvons même pas l'emporter. Bon sang. La main de Morcule se trouve dans un lieu appelé... Je crois que cela signifie « Forge du cœur ». Et... souffle. Nous devons rallumer la forge. Le souffle infini désigne sans doute le soufflet, et la rage indicible serait... un fourneau? Quelle étrange formulation. Je pense que quelque chose m'échappe. Vous pourriez chercher un soufflet et une sorte de creuset. Le clan Morcule préfère des solutions simples et durables. Cherchez des leviers ou autres mécanismes.
Vous avez réussi! Et maintenant, cœur pur. L'ancien mot pour cœur veut dire aussi sang. Le sang le plus pur. Le sang de Morkul? Je suis la fille du chef Morkul. Mon sang devrait fonctionner. Petite entaille de couteau. Oh, regardez, ça s'ouvre! Comme une main qui se déplie! Oh, oh non! La main de Morkul n'est pas notre marteau de forge. C'est la cage qui l'entoure. Et si l'antique mot de mon clan pour cœur signifiait aussi sang, alors ce n'était pas notre forge du cœur. C'était notre... Ma mère dit que nous sommes les meilleurs forgerons de Vrodgar parce que nous mettons du cœur dans l'acier. Mais à qui est ce cœur? À qui appartient ce sang? Le clan Morkul n'a plus d'ennemis depuis l'époque de Morkuldine. Avons-nous livré nos rivaux à cette... chose? Vous avez raison. Les vieux poèmes ne parlent pas de l'honneur que nous avons perdu en abandonnant Morkuldine, mais de l'honneur que nous avons gagné en enterrant notre plus grande honte sous une montagne de glace. Et c'est une mise en garde qui nous enjoint à oublier la main de Morkul qui... Eh bien... pas sans magie du sang. Mais je ne peux pas le laisser là. C'est notre héritage. Je vais le rapporter à la forteresse, mais ensuite... que dois-je raconter à mon clan? Vous avez raison. On forge une meilleure lame quand on a appris de ses erreurs passées. Je ne peux pas cacher cette monstruosité à mon clan. Il y a peut-être une meilleure façon d'utiliser cet endroit. Une façon honorable. Morkuldine n'a pas besoin du sang de nos ennemis, même si d'autres ont abusé de ce pouvoir de manière infâme. Le sang des givrés pères suffira peut-être. Enfin, le sang ou leur équivalent. J'ai entendu un grondement quand vous avez relancé la forge. Peut-être une autre sortie? Je ferai tout pour éviter ces ogres. Regardez!
Une porte cachée par la glace. Serait-ce la lumière du jour? Nous sommes proches d'Orsinium. C'est pratique si nous avons besoin de retourner à la forge de sang. La forge de feu. Rendez-vous à la forteresse de Morcule ?